Bonsoir Mathieu. Bonsoir, salut Mathieu. Alors... Bonsoir à tous. Ne survendez pas, c'est pas une nouvelle rubrique, c'est juste le teaser de moi-même qui vient après. Bah oui, mais c'est une nouvelle rubrique quand même. Oui, si on veut. C'est un pré-débrief. Voilà. Mise en bouche, une mise en bouche. Très bien, nos téléspectateurs quand même. Ce soir, Anne-Sophie. Une petite rubrique. Voilà, une petite rubrique. Ce soir, Anne-Sophie, j'aimerais d'abord justement rendre hommage à celui qui nous fait la gentillesse d'être avec nous dans C'est à vous cette saison. Alors que depuis qu'il a quitté Canal, il pourrait racheter C'est à vous en cash, le Love, tout ce qu'il y a dedans, et même la quasi-totalité du 11e arrondissement si l'envie lui en prenait. Légende de l'audiovisuel, figure de la production cinématographique, Pierre Lescure est aussi, vous l'avez découvert la semaine dernière au détour d'une bande-annonce savoureusement cucu-pralinesque, un comédien hors pair. Ses répliques déjà cultes, Gérard, je me suis arrêté d'attendre, ou encore, tu aimes l'andouille, il en reste dans le frigo, vous en bouleversez, vous en voulez encore, oh oui, patience, encore. Contrairement à Switek, Pierre sélectionne ses projets, préfère miser sur la rareté. Contrairement à Switek qui fait tous les pré-génériques en ce moment. En revanche, tous les soirs, Pierre nous fait profiter de son incroyable réseau, lui, le parrain du cinéma français, l'homme de toutes les bacchanales jet set. Il a toujours une anecdote showbiz, toujours. Est-ce qu'on m'entend? C'est Lescure, est-ce qu'on m'entend? Les petits plus showbiz de Pierrot. Pierre, justement, je crois que vous avez un programme très chargé ce week-end. On dîne vite fait et je file à Deauville. Mick Jagger, il sera sur les planches de Deauville. Vous allez donc filer, on l'a dit après l'émission, pour retrouver Mick. Sympa ou pas, Mick? Il est assez sympa. Il s'assoit et me dit « Oh putain, j'ai les hémorroïdes oh. !» Ça m'a ému. Eh oui, Pierre, c'est le deuxième effet qui se coule. Non seulement je peux souligner vos conneries, mais je peux aussi en inventer d'autres, les manipuler. C'est vrai, pas encore fait. C'est... Voilà ce qui se passe. Ça sont les pires, celles-là. La malhonnêteté intellectuelle. Alors là, les hémorroïdes. Cabache Polamar, je vais en parler à Paul. Hein. Ah oui, vous allez voir, il est beaucoup plus cruel, beaucoup plus violent. Merci beaucoup quand même, Mathieu.